Ce lundi 15 juillet 2019, à 21h sur votre petit écran, Présidence Actu a regardé absolument dans votre magazine la revue de l'activité présidentielle de ces derniers jours et un entretien exclusif avec le professeur Narcisse Mouelet-Combi, agrégé de droit public et de sciences politiques et ministre des Sports et de l'Éducation physique. Merci Yves-Marc Médio de me donner l'occasion et de me faire l'honneur de me permettre de m'exprimer sur des sujets, sur des questions dont l'enjeu est grand pour notre pays. Au menu de l'émission, les leçons du récent séjour privé du président Biya en Europe. Certes, des compatriotes ont tenté d'outrager et d'offenser le président Biya, mais cela ne remet pas en cause ni son aura, ni sa haute stature, ni sa respectabilité. Dans Présidence Actu, ce lundi 15 juillet 2019, le patron des sports revient sur le développement des infrastructures sportives dans notre pays et la participation des Lions Indomptables de football à la CAN Égypte 2019. Le président Paul Biya a engagé un ambitieux programme de construction et de réhabilitation d'une trentaine d'infrastructures sportives. Une trentaine d'infrastructures sportives modernes et même futuristes pour certains. Je pense par exemple au complexe sportif de Japoma et d'Olembe. En exclusivité dans l'émission, le professeur Narcisse Mouelet-Combi se prononce sur l'avenir du sélectionneur national Clarence Seedorf. La question du maintien de M. Seedorf à la tête de notre sélection Fanion est clairement posée. Présidence Actu, c'est ce lundi 15 juillet 2019, après le 20h30, sur la CIRTV.